Joliette reçoit la grande comédienne et créatrice Marie-Chantal Perron. Et c'est au Musée d'art de Joliette que nous la convions, le plus important musée au Québec à l'extérieur des grands centres. Le beau et franc sourire de Marie-Chantal complétera certainement à merveille la collection du musée. Hey Marie, dis-moi, comment t'as aimé notre visite? Comment ça t'a parlé, le musée ici? Franchement, là, vous avez fait une bien belle job. C'est un super musée. Je trouve qu'au niveau de l'espace, au niveau de l'architecture, au niveau de l'inspiration que ça a fait, oui. Et le coin 5 à 7, aha! Je vais venir le masteriser avec toi et mon autre, à un moment donné. C'est vraiment hot. Et la vue qu'on a, oui. La vue qu'on a, c'est incroyable. Puis, comme je t'ai dit en entrée de jeu tantôt, quand t'es arrivé, le musée ici, je dis le nouveau musée parce qu'il a été complètement rénové. Ils ont gardé vraiment le béton d'origine. Pour vrai? Oui. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a vraiment un côté très écolo. Oui. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense que ça te parle beaucoup à toi aussi. Hein? Oui, je suis pas pire sur l'environnement. Ouais, je fais ma part, je fais ma part. Oui. Ouais. Oui, parce que tu es ici, Joliette, pour toi, tu le découvres de plus en plus parce que tu as un beau chalet dans notre coin. Tu as un beau chalet dans notre coin, plus précisément à Saint-Côme. Oui. C'est un chalet vert. Ben oui, il est au solaire. Ah, donc c'est pour ça. Là, et voilà, c'est là que je m'en allais. J'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu parles. Mais tu as ton lien avec l'écologie, en fait, aussi beaucoup, là. Bien, je suis très urbaine, mais j'ai vraiment besoin, moi, de me retrouver dans le bois. Vraiment. Puis quand j'ai loué ce chalet-là, qui maintenant, je suis l'heureuse propriétaire, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis le fait qu'il soit solaire, puis je trouve ça super parce que, comme l'autre fois, il y a eu comme un gros 48 heures, pas d'électricité à Saint-Côme, c'était la panique. Mon chum, puis moi, on était bien sur notre solaire. Petit verre de vin, hey! Tout va bien. On t'avait masterisé ça, nous autres. Hey, c'est bien cool, que ça. Oui, c'est bien cool. Puis ça, ça me parle. C'est l'énergie du futur, hein? Tout à fait. Mais oui. Tout à fait. Mais oui. Tout à fait. Puis parlant de nature, écoute, j'ai de quoi pour toi? Ah, tu me suis? Tellement. Viens d'âge, je te suis. Comme un chat. Fait que c'est ta surprise! Oh, merci, man! Oh. C'est ta surprise, Marie. Oh, je suis tellement touchée! Et je voulais vraiment représenter et le regard, la détermination, parce que t'es une fille hyper déterminée avec tous les projets que t'as menés. Donc, le tableau parle de lui-même. Oh, je suis vraiment touchée. Oh, ça me touche, là. Ah, oh, ça va être magnifique à moi! Hein, dans ton chalet vert, ça va être parfait. Oh, la nature va être entourée de nature, vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'on a un invité, la ville de Joliette offre un cadeau. Okay. Donc, le cadeau de la ville c'est de Joliette. C'est un pot de compost. C'est un pot de compost. Et à l'intérieur, pour aller dans ton chalet vert, tu as une pomme de douche écolo. Ben voyons donc! J'aime donc bien Joliette! Oui, donc, évidemment, tu veux un sablier pour vraiment y aller avec exactement le temps de douche pour économiser l'eau. Mais voyons et donc. Puis là, ça, puis là, je mets ton compost. Et tu mets ton compost. Donc, tu en avais déjà un au chalet. Ben oui, c'est tout à toi, ça. C'est tout à toi. Hey, Marie, merci d'être venue c'est ici. C'est moi qui t'en remercie. Merci. J'ai été gâtée, j'ai été privilégiée. Puis, ben, merci pour ton passage à Joliette et ton passage au musée. Puis, j'espère que tu vas revenir et que tu vas emmener du monde. Oui. Puis on va se masteriser. On va masteriser. 5 à 7 avec plaisir. Merci, Kimbo.